salutations depuis Washington DC. Jeudi à ce vendredi 15 novembre. Nous souhaitons un bon week-end. Moi, c'est Jean-Bert Philippe, Nouvelle York. Quelques grands points qui dominent l'actualité. Le président Joe Biden participe dans le forum coopération économique Asie-Pacifique dans Lima, au Pérou, avec les leaders régionaux, parmi le président chinois Xi Jinping. Immigrants africains dans New York expriment inquiétude après victoire de Donald Trump dans l'élection présidentielle 5 novembre. En Haïti, population attend publication liste membres nouveau cabinet ministériel là. Nomment nèg armé a simé la troublée dans capitale là dans Bokote Kouzam à force de l'audio. Une fois qu'on a salué tout le monde, on a remercié Oliver qui a quitté notre lacage jeudi, vendredi, à ces derniers soutiens pour ce maintenant. Eh bien, l'idée pays membres coopération économique Asie-Pacifique ont participé dans le sommet annuel organisation dans la ville Lima au Pérou pour discuter des problèmes région. Sandra Lemaire dit nous, parmi les leaders qui sont présents, nous jouons le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping. Rencontre au sommet APEC là, tombé dans la ville Lima, capitale Pérou. Côté représentant 21 pays dans la région Pacifique là, répondent présents pour forum coopération économique Asie-Pacifique là. Ces premières rencontres au sommet global qui a déroulé depuis victoire électorale président élu Donald Trump là. Rencontre annuelle là rassemblait pays avec membres qui représentaient ensemble presque deux tiers GDP global là et puis moitié commerce mondial là d'après sa organisateur dit. Parmi chefs d'État qui voyagent à Lima, gagne un président sortant États-Unis Joe Biden, président de la Chine Xi Jinping, premier ministre canadien Justin Trudeau, président Indonésie Prabowo Subianto, premier ministre Japon Shigeru Ishiba, président Corée du Sud Yoon Suk-yeol et premier ministre Australie Anthony Albanese. Une question mondiale a posé, c'est qui le nouveau gouvernement américain pour changer la dynamique globale. Jeudi vendredi, Biden a participé à une rencontre informelle avec le leader APEC. Puis vendredi, le président américain a rencontré le président Corée du Sud et le premier ministre japonais pour discuter sur le partenariat Corée du Nord à poursuivre avec la Russie et puis paquet essai de missiles balistiques Pyongyang a fait. Samedi, la Maison-Blanche dit Biden va faire chute attendre avec le président chinois Xi Jinping. And so part of what President Biden will communicate is that we need to maintain stability, clarity. Il dit une partie dans sa président Biden pour le communiquer, c'est faut que nous maintenions stabilité, transparence et prévisibilité pendant la transition entre États-Unis et la Chine. Sullivan dit Biden pour souligner tout nécessité pour qu'un voie communication est ouvert dans tout niveau. Biden vient pour rencontrer le président Pérou Dina Boluarte tout vendredi. Après sommet OPEC Pérou, Biden prend le pays Brésil pour assister à la rencontre G20. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Dans l'autre cas de l'actualité, à présent, élu américain Donald Trump choisit un ancien allié pour diriger CIA. Gentil Augustin Junior dit nous. Président élu a embarqué pile critique pour quelques choix prochaine administration LIA. Ancien représentant américain Tulsi Gabbard, ce choix qui est brillant, président élu Donald Trump fait pour venir directeur intelligence nationale. Here is the choice. Mes choix nous gagnent. Un vote pour Kamala Harris, c'est un vote pour Dick Cheney. Et puis, c'est un vote pour la guerre, plus la guerre. Peut-être troisième guerre mondiale là, avec la guerre nucléaire. Un vote pour Donald Trump, c'est un vote pour un homme qui veut finir avec la guerre, yo, pas commencer. Yo. Ancien démocrate là, t'es venu une voix importante pour campagne Trump là. Mène full monde derrière agenda li. Mais déclaration li te fait avant élection. C'est peut-être ça moins fier pour me camper à président Trump et c'est peut-être ça nous même peuple là doit voter pour faire retourner la Maison Blanche là et puis faire Amérique là retourner grand encore. Pendant annonce nomination Gabalan, Trump chante louange pour lui parce que li gagne un esprit guerrier. Li dit li pral vini ak sa nan travail là. L'ap vini tout ak plus passé 20 années expérience dans service garde national la
l'armée américaine. Et puis, la vin ak yon certain degré conflit. Agace législateur républicain ak démocrate yo ak yon vidéo sous médias sociaux yo. Côté moun kap critiquer yo di li semblé propagande la Russie sous zam biologique yo que américain financé nan Ukraine. Officiel intelligence américain yo démenti ça. Sénateur républicain Mitt Romney tere le remak Gaba yo trèt kap bay menti. Yon akizasyon Gaba rejte. Yo te kritike Gaba tou pou tèt li te renkontre ak prezidan Siryen an, Bachar el-Assad, ki te akize kom kriminel la gen. Men, li te defann voyaj la. Li di ou pa ka serye sou la pè, sauf si ou vle pale ak adversè ou yo. Trump choisi John Ratcliffe pour diriger CIA. Ratcliffe t'a servi comme directeur intelligence nationale Trump dans fin premier mandat là. Sorti dans époque li comme membre comité intelligence chambre représentant. Ratcliffe t'a dit: est-ce que gen youn nan nou ki ici la jodi a pour dire oui t'a gen yon infraction nan appel ça pour ta accusé? Yon moun di li. Ratcliffe te yon allié fidèle Trump. Et puis, les législateurs yon te force Ratcliffe pour le retirer non nan liste candidat pour premier poste intelligence yon nan l'année 2019, Trump te supporte il. Trump te dit: la presse tap traite il. Moi te pense li te très injuste. Li se yon nom remarquable. Ratcliffe joue yon l'autre chance et li promet législateur yo ke li pral assurer service intelligence américain bay PIA, sa li décrit comme vérité claire kou yo ko. De temps en temps, Ratcliffe rencontre législateur yo sous mouvement pour déclassifier intelligence sous soi-disant interférence la Russie dans élection yo. Li te tout rejeté interférence Iran, la Russie ak la Chine. Pas gen an yen ki pi sacré nan République nou an passé principe fondamental démocratique. Yon moun, yon vote. Trump confié yon figi abitye ak yon étoile kap monte pour diriger effort service intelligence américain yo pour 4 l'année kap vini yo. Jeff Seldin, VOA News Washington, adaptation créole, Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Quelques immigrants africains qui vivent dans New York expliquent qu'ils souhaitent gagner pour une nouvelle administration pas déporter eux dans le cadre d'opération Cerboulon. Le président lui a promis pour le faire contre étrangers qui vivent aux États-Unis sans document légal. Valérie Saint-Louis. Dans le quartier New York, yo ki rele ti Sénégal, côté que gen en pile restaurant ak business africain et côté que gen en pile citoyen pays Afrique de l'Ouest qui habitait là, résident sa yo réagit sous élection Donald Trump là. Et plusieurs n'ont eu gain cœur sauté pour cette promesse que le président lui a fait sous question déportation en masse, là que le dit que le pral fait l'elle monter sous pouvoir. Ou Amadou Ba, qui t'a quitté pays le Sénégal pour l'établir ici aux États-Unis depuis 25 années de ça, et qui s'est propriété au restaurant sénégalais, li pa kwe vrai que l'intention président élu pour le faire déportation en masse là, t'a qu'à venir une réalité. Il pensait que c'était parole politique qui t'a parlé. Il ne faut pas dire qu'il va ramener beaucoup de gens chez eux, il va les déporter chez eux. Mais je pense que tout ça, c'est politique. Il a dit ça parce qu'il a un fanbase qui le supporte à cause de ça, mais je ne pense pas qu'il va le faire autant qu'il le dit. Puis devant nous, l'autre Kafou, nous joignons le président de l'association sénégalais américaine, Mamadou Dramé, qui lui-même décrit inquiétude à la Pérez que les migrants africains ont gagné sous causé déportation en masse. Les immigrés sont inquiets. Ouais, ils sont inquiets et ils sont là, ils veulent des informations par rapport au discours de Donald Trump, discours selon lequel il va procéder à une déportation en masse, comme il le dit. Donc voilà, nous qui sommes là ici à l'association, on est pris d'assaut. Ces immigrés veulent quand même coûte que coûte, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur demande d'asile, ils veulent coûte que coûte le faire le plus rapidement possible. Boucher Ketchup, c'est un Sénégalais qui vit ici aux États-Unis depuis 9 ans. Moi pas voté pour lui parce que bon chaque monde gagne monde pa yo et puis moi gagne monde Sénégal moi yo ou connaît si yo paye un bagage comme ça li pas pral bon pour moi et puis moi pas sentir bien pour être ça et puis l'a fait campagne li toujours parler de déportation ou connaît ça fait monde vinn paix et puis personne pas veut vivre dans la pérez. N'a pas rappelé que Donald Trump gen plan pour depuis premier jour li retourner dans Maison Blanche là dans mois janvier pour commencer déportation en masse immigrant yo.
Et puis, défaite politique administration Biden là sous immigration et éducation. Donald Trump promet tout pour changer forme gouvernement fédéral là, les li révoquer plusieurs milliers de travailleurs fédéral, li kwè k'ap travay en cachette contre lui. Donald Trump ta vle pa donner tout monde que yo arrêté pour rôle que yo te joué dans attaque sous Capitole là dans date 6 janvier 2021. Mais tout n'a praplo que les Donald Trump te prend pouvoir en 2017. Li te gen tout yon lis men longueur pour l'exécuter depuis premier joua, mais c'est pas tout bagay sous lis ça que l'te arrivé réaliser tout de suite. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Nous arrivons dans la première partie du programme, non, nous prenons une pause. Et l'entournée, nous pourrons regarder l'actualité dans le pays d'Haïti. Pas déplacé. En Haïti, Negame Kaboukan te gouzan avec force de l'audio, force résident dans le de quartier, dans la capitale de la Port-au-Prince, à chercher protection l'autre côté. Nous allons gagner plus de nouvelles sur question si là. Valise sous tête, Timoun sous braille. C'est comme ça, habitant dans Solino a couru quitter Kayo pour éviter victime. En bas, bal bandit qui fait partie de la coalition vivant ensemble. Résident Solino yo qui participe à l'été autorité yo sous menace qui plane sur tout 24 quartier yo depuis environ 2 l'année, al prend refuge dans local Office Protection Citoyen OPC. Kèk nan yo te parle comme ça. M'ta reme konnen est-ce que c'est l'état qui a dirigé pays ou bien est-ce que c'est vivant ensemble qui a dirigé pays? M'ta nou n'a fait n'a prêt les secours, yo pas jamais porter nous secours. N'a prêt l'amour, yo pas jamais porter nous secours du tout. Quand dit vivant ensemble envahi nous gens yo vle. Nous obligé pour nous bon obligé pour y sorti. Nous gen plus que 2 ans depuis n'a pas été la police, n'a pas l'été autorité. Nous fait connait qui importance zone ça gagne zone son zone qui très stratégique. Que les bandits ont toujours besoin de ça pour qu'ils aient une liberté, pour qu'ils aient passé, pour qu'ils aient monté dans la zone, pour qu'ils aient monté debout. Mais autorité va jamais détendre nous. Je ne dis pas là, mais côté l'État, la population, nous qui fait toute vie, il y a construit des cailloux. Nous qui fait toute vie, pas de jambes à l'État régler rien pour nous. Je ne dis pas là, qui j'en ai mis à plus de misère là, non soleil. Habitants qui saluent mémoire vaillant policier SWAT qui mourit dans quatre batailles ici là, t'es profité occasion pour dénoncer comportement policier kenyan qui pas jamais vraiment accompagné policier dans diverses opérations police nationale pays a mené contre bandi armé yo. Les kenyan yo sans être venu café la mitin ka voir tirer balle po sans que pas faire pied sol. Pas rien que c'est nous parce que citoyen cap pour nous c'est Jeff Lirelli. C'est pendant hier nèg vous connaît yo tué avec tout le monde qui est magasin avec. Mais vous mangez l'hier, vous me demandez. Qu'est-ce que Jeff? Jeff, vous avez un soir de l'hier. Pourquoi j'aime mon soldat Kenya? Sincèrement, pourquoi j'aime mon soldat Kenya? Nous, vous pouvez passer dans le char, là, il dit, next, ça va venir, puis vous gourmez pour nous. Kenya, vous n'avez pas été loin. Pas avoir fané, vous n'avez pas été loin. Au contraire, Jeff, qui t'a gourmé pour nous, Kenya, depuis Kenya, vous n'avez pas été loin, c'est tout, vous n'avez pas été loin. Sous question ça, service créole a déjà cherché à rentrer en contact avec le responsable mission, cependant, démarche était en vain. Toutefois, réfugiés qui gagnent dans la cour OPCA depuis la nuit mercredi 13 novembre, qui jusqu'à présent pour rejoindre aucune assistance dans mes instances concernées. Alors que, moun capable toujours tendre son gros coup de balle qui passe suspend chanté dans plusieurs zones dans la capitale là. VOA Creole, Port-au-Prince. Collectif 30 janvier a cherché un nouveau mais un monde pour remplacer Edgar Leblanc fils dans le conseil présidentiel transition Renan Toussaint. Sous base, collectif parti politique 30 janvier a adressé une correspondance by président conseil présidentiel transition architecte Leslie Voltaire pour annoncer yo pas gain représentant dans structure étatique ça ak envisager modalité appropriée pour remplacer monsieur Leblanc ancien colonel Imler Rebu youn nan dirigeant collectif là ap di nou pour qui raison yo besoin changement ça on y a là nan CPTA collectif là par kon a ki tit parce que c'est pas un autre nom parce que nous rappelons et que des mesures k'ap prend parce que nous commence à découvrir gen les lettres nous te voyé le 7 octobre la sénateur Leblanc gen les te caché lettre là li pa jambe bay CPTA donc ceux qui voudraient dire que CPTA pa jambe connaît officiellement que nous relevé mesure après pour aller dans ce sens. Selon ancien colonel Imler Rebu, objectif là c'est faire en sorte que transition ça réussit malgré le gen gros doute
comme quoi élection pap getan organisée dans fin l'année 2025 pour que échéance 7 février 2026 la ta respecté côté yon président élu ta doué installé dans palais national. Pendant ce temps, conseiller président Edgar Leblanc-Fils continue siéger comme ça doit dans conseil présidentiel transition. Cependant, il n'y a pas signé aucun document et puis tout, il n'y a pas dit est-ce que l'a démissionné ou pas. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Maître Renan Edouville, responsable office protection citoyen, dénoncé décret conseil présidentiel transition à prendre, publié pour révoquer la tête agence SILA. Nous allons rejoindre Emmanuel pour plus de détails. Chers amis de la presse par l'écrit télévisé, Maître Renan Edouville dénonçait arrêté présidentiel qui nommait juge Jean-Wilner Morin comme protecteur citoyen pour un petit bout de temps. Maître Renan Edouville qui gomanda 7 l'année comme protecteur citoyen qui rivait dans Boutli, qualifié de scélérat, arrêté 12 novembre là, qui remplaçait dans tête OPC. Loi pas bon chance ça. Parce que loi dit ou que protecteur citoyen, li nommé pour un mandat de 7 ans, mandat pas renouvelable, et nonobstant fin mandat protecteur là, li rete en poste jusqu'à ce que gon successeur qui remplace le. Et successeur là, c'est papa yon arrêté scélérat qui est capable de remplacer protecteur là. Il faut que gon un parlement qui en fonction pour que processus sans Jean côté moi-même m'était sorti là et bien pour le capable arriver protecteur. Défenseur droit moulin dit les papes défendent un poste mais plutôt valeur démocratique yo protecteur remplacé dit déjà contacté cabinet avocat pour engager démarche la justice contre ça li relé une décision illégale. En mesure pour moi confirmer avec les confrères les consoeurs de la presse que nous déjà saisi, informé, avocat institution, qui c'est Maître Patrick Laurent, pour que nous capables saisir d'abord les instances nationales et également les instances internationales, parce que l'OPC fait partie d'une grande famille des INDH. Jean-Wilner Morin, juge instruction et président d'une association magistrat, déjà désigné comme nouveau protecteur pour un petit bout de temps, il t'a doué installé dans jou k'ap vini la yo. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Programme ça a passé chaque jour sorti lundi pour arriver vendredi à 4 tapant sur toute affilié nou yo dans l'ESA, le Washington ak le Port-au-Prince. N'a tenu talé. Ministère agriculture, développement rural et ressources naturelles organisé 3 journées scientifiques avec travail agricole dans le sud pays. Côté nous joindre correspondant nous Jean-Ernst Eliska. Ni Diri ni Mazobel m'a quitté au introduit tête. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural mettait fin dans 3 journées scientifiques qui étaient organisées dans la commune Camperin qui dans le département sud. Directeur général ministère agronome Elancier Moïse dressé un bilan positif après 3 jours d'embrasser l'idée sous secteur agricole là. Même si m'pat là dans premier jour mais gen résumé tout fait avant et nous continuons avec programme journée yo. Moi même pense que c'est des journées qui réussi et ça vaut la peine et comme décision ta bon que dans cadre recherche on se travail qu'a fait pour gagner des journées comme ça qui fait pour non seulement gagner échange entre différents partenaires yo, pour partager le son que nous apprenons dans le cadre d'intervention et dans la mesure du possible, prévoir comment nous allons continuer avec l'activité HAO pour consolider acquis et pérenniser les résultats, surtout notre travail sur recherche, pour mettre en application les résultats de vos recherches dans l'intérêt du développement du secteur agricole. Absalom Pierre, qui est un chercheur, Hope Semanche, qui c'est un projet USAID financé fait qu'on est gain en pile l'idée
qui était dégagé pour remembrer le secteur agricole là en Haïti. Semaine ça nous sommes passés là, c'est un bagage très intéressant puisque un pile acteur dans le projet PITAG et dans l'autre projet tout vient présenter activité recherche et nous voyons qu'il y a des avancées qui fait. Qu'on est à grande question, c'est comment pérenniser ça qu'on fait là puisque généralement, je ne connais un projet au bon durée, au bon fin. Donc, faut nous regarder comment nous sommes capables d'insérer ça dans des agendas qui ont des gens plus larges, qui plus global et qui plus durable toujours. Ce problème, ce n'est pas le projet non, qui pose des problèmes, mais c'est nous-mêmes en tant qu'acteurs local ou acteurs locaux, comment nous sommes capables de pérenniser, fourrer les choses en dedans, agenda pas nous, pour être capables de durer plus de temps dans le secteur pas nous. N'a pas signalé, c'est la troisième édition. Jeunesse scientifique ministère agriculture dans le pays d'Haïti est organisée sous secteur agricole là. Jean-Ernst Eliska, VOA Creole, Okay. Et puis chocolat haïtien qui sorti dans Nord-Est commence à vendre dans magasin Macy's dans New York. Journaliste Glorieuse Nelson t'a rencontré avec initiateur projet cela. Fête fin d'année ou a approché à grands pas. Décoration dans toute la rue, magasin a offri toute qualité rabais. Macy's c'est un magasin qui toujours mettait sous pied activité pour amuser clients yo pendant période ça. Année ça, yo collaboré avec Urban Space pour offrir un marché Noël dans plus gros magasin yo gagné dans New York là. Parmi vendeurs qui exposé dans espace là, nous joignons chocolaterie Ascania. Une entreprise haïtienne. Tout ingrédient que nous utilisons pour faire chocolat, yo, que c'est cacao, que c'est rapadou, que c'est orange, citron, sel, tout ingrédient que nous prenons en Haïti à travers un réseau de 3000 planteurs, que c'est planteur cacao qui n'en a, que c'est planteur rapadou qui tout le monde, ou bien Sainte-Suzanne, que c'est planteur orange qui plaisante, tout ingrédient que nous utilisons pour faire chocolat, yo, nous prenons en Haïti. Et nous faisons la main à une équipe totalement féminine pour nous faire chocolat et aussi femme. Ascania a 9 années sur le marché. Il offre plusieurs qualités chocolat. Chocolat noir, chocolat qui a saveur orange, citron et la trier. Entreprise a mis Haïti devant un produit la vendre. Co-fondatrice, la présence dans le marché Noël Macy's a montré que les produits haïtiens ont valeur et capable d'intéresser l'autre nation. C'est une belle opportunité pour un produit haïtien qui fait Wanamet, Nord-Est, dans le pays Canada, pour qu'il arrive dans Macy's, pour que tout le monde soit haïtien. Ce n'est pas seulement haïtien qui a voulu, mais c'est l'autre. Tout est américain, étranger, monde qui vient en vacances qui ont possibilité de voir produire. Donc, son belle fierté pour nous et puis ça montre nous que les nous travaillons dur, nous travaillons bien, nous faisons produits standard, qualité, nous qui exposer n'importe qui bon dans le monde et que produit nous gain valeur, gain goût et monde disposé à acheter. Co-fondatrice Ascania a invité tout haïtien qui New York aussi nous cap passer New York pendant période fête là pour visiter le Macy's et puis courir initiative là. Tout le monde qui New York pour passer dans Macy's dans 34th Street, tout près Penn Station, Broadway, monter dans le 9e étage là, nous avons ascension, nous avons escalier roulant, puis village. Ça veut dire que après, pour blanc, que le produit avant bien, que nous avons intérêt là-dedans, pour nous gagner dans tout le 608 Macy's. Yo sous place, juste dans la date 1er janvier 2025. Glorieuse Nelson depuis New York, pour VOA Creole. Weekend a commencé jeudi, vendredi 15 novembre, non? Pas oublier, pas consommer alcool, soit conduit. Non. Et puis activité dans le monde musical et artistique haïtien avec Judon Street depuis l'État Floride. Groupe musical Racine Ram en difficulté, c'est ça nous avons constaté dans la déclaration d'Epaman, responsable Jazz Affaires, semaine ça, dans les réseaux sociaux. Richard Auguste Morse, qui est fondateur RAM, déclaré et n'a pas cité dans la page officielle RAM dans le réseau social. Bonjour tout le monde. M'a écrit nous pour me dire que m'a quitté Jazz RAM. RAM pas existé encore. Merci à l'UNIS, qui est plus gros talent musical pays à j'en connais. Pas oublier force pays d'Haïti, c'est chanté traditionnel. Yo, ak tambou yo, ak rara. C'est pas ni batterie, ni nouveau musique yo, déclaré. Richard Morse, dans notre public là. Bon côté Pali, trois jours plus tard, dans page Instagram officielle RAM, l'UNIS Morse posté et n'a cité, avec tout respect, à l'amour nous gagnons pour Haïti, à fanatique yo, nous pas intention suspendre performer. Tweet là, c'est une décision indépendante, RAM a continué faire performance, musique là, pi gros passé nous, déclaré l'UNIS Morse. N'a fait songer que RAM prend naissance dans l'année 1990. Pendant 25 années d'existence, il a publié en pile musique avec plusieurs albums qui arrivaient sur un pile mélomane. Pour couler là, pas aucune date,
officielle performance RAM qui annoncé dans page Instagram Jazzla. L'autre nouvelle pour journée jodiant, Estella Joseph, animatrice culturelle dans Radio Vision Mondiale dans ville Paris, capitale pays la France, t'est de passage dans l'État Floride. Nous demandons animatrice là pour le banou lisse quelques orchestres haïtiens qui a contribué à l'évolution musique haïtienne là. Dans pays la France. Vous savez tous, il y a Original H que vous connaissez tous. Hein, nous avons aussi le groupe Style Groove. Nous avons également des nouveaux groupes qui essayent, qui travaillent très très dur pour faire leur place, tels que Time Is It, tels que le groupe Belle. Enfin, maintenant, en matière d'orchestre qui ne sont pas en France, en Europe, et quels sont les plus populaires et pour les Haïtiens? Alors, les plus populaires, nous avons eu Disciple, qui est venu récemment à Paris et qui a fait grand bruit. Grand bruit, et ben, qui a été bien accueilli du côté de Paris. Après, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais à Paris, ils restent fidèles quand même à Gazman Color. Nous avons aussi Class, qui a aussi ses mélomanes. Nous avons bien sûr Zafem. Nous avons... alors, le groupe qui essaye de vraiment, qui commence à avoir vraiment du poids, c'est Japot. Japot. Et puis, nous allons recevoir Équipe. Équipe qui va venir à Paris pour un beau concert. Donc, nous l'attendons patiemment. Pour toute nouvelle, souvenez-vous d'être non pas, c'est Judy, on s'est trouvé à Creole, Miami. Et bien, mes amis, le programme n'est pas dans le bout de l'île. Jeudi, c'est vendredi 15 novembre, grâce à support. Producteur nous Jean-Marc Hervé Abella avec directeur exécutif nous Nelson Vignos, directeur James Smith avec équipe service qui est là. Bon week-end tout le monde. Na lundi. Bye bye. Désir Venesse, d'après tout ça que nous avons comme dernière information, c'est que il y a plusieurs voix qui ont levé là, plusieurs secteurs qui ont levé voix là, pour demander finalement craser le conseil présidentiel transition. Et Gué qui dit que au lieu de craser, qu'il y aurait dû avec trois conseillers, mais Gué qui déterminé qui dit que c'est craser conseil présidentiel là, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu qui ça cap réglé avec conseiller présidentiel. Qui donc, Gué l'acteur qui dit que je dis, hein, et c'est aller dans le coup de cassation, parce que il a fait expérience avec Ariel Henry comme premier ministre et président en même temps. Pendant 32 mois qu'il n'a pas réglé un sérieux, il a sauté essayé là avec PM Gary Kony et puis avec un exécutif de tête, Kony et KPT1. Kony passé par régler un sérieux selon le monde et vient je te KPT à lui-même tout qu'il n'a pas réglé un sérieux. Qui donc je dis en là, secteur yo, acteur plébé voyo, yo dit c'est écraser, causer conseil présidentiel transition. Gagné collectif 30 janvier. Qui gagne représentant, yo, qui c'est Edgar Leblanc-Fils. Il a écrit avec le président Leslie Voltaire. Il a demandé pour que il a remplacé, il a changé Edgar Leblanc-Fils comme représentant collectif 30 janvier. Gagne en même temps tout, équipe Aqua Montana, tête syndic. Il a fait qu'on est que depuis 7 juin que il a voué représentant, yo, Fritz Alphonse Jean, dans le conseil présidentiel là. Eh bien, il a perdu contact, il a perdu contrôle, Fritz Alphonse Jean, qui donc, je dis en là, en pile secteur comprendre, en pile voix lever clairement désir, pour dire que, question qu'a pété ça, question ça, eh bien, il n'a pas réglé en sérieux et il n'a pas représenté en rien parce que, n'est-ce que c'est partage pouvoir qui a fait. Pendant que Moun La Saline, pendant que Moun Solino, Moun Fond National, Moun Nanason, Moun Christoua, Delma 30, Delma 32, a couru en bas le bandit, eh bien, n'est-ce que a goumé dans la ville d'accueil pour que vous capable mettre ministère, vous capable mettre Moun comme ministre, pendant ce temps, vous n'avez aucun intérêt pour capable changer sa gueule comme situation. Est-ce que peuple haïtien finalement prend un complot? Est-ce que peuple haïtien finalement comprend que je dis, hein, parce que aucun monde qui travaille dans l'intérêt, quel que soit TKPT, quel que soit Kony qui était là, et quel que soit DJ Fizeme qui vient là, et Ramon Amil, Gabi Guerrier, Mission, pas aucun monde qui travaille dans l'intérêt haïtien. Et je dis, hein, on a posé question,
qui ça exactement que bandi vivant sa mieux décidé? Qui ça exactement qui a besoin? Est-ce que c'est besoin de craser pays à net? Est-ce que c'est besoin de capoter capeter? Exactement qui ça a besoin? Parce que je dis, hein, peuple haïtien bouquet, il n'est pas capable encore de s'y venir ça. L'explication de Port-au-Prince qu'on est en quatrième journée panique pour journée 14 novembre 2024 là, l'école, magasin, bureau, l'État et privé et tant que l'État, il n'y a pas fonctionné dans le niveau capital là, majorité pompe gaz, yo pas ouvri, moun solino ak moun qui est dans zone qui tout prélieu obligé à pourri. Ou est-ce qu'il y a un refuge, non, ensemble d'espace, yo estime qu'il puisse être fait, malgré un pile, yo, par contre, qui côté ou bralé, ou après marqué maman qui fait accoucher avec petit bébé blanc, ça, sous point, yo, y a pour quitter caillou, ou après marqué de moun qui avec des handicapés, pas essayé d'échapper pour lui, avec moun yo avec paquet, mallette, nan, mais yo, pour y a couru, non, divers qui dans le niveau capital là, et un pile, là, moun yo, a posé question, qu'il est, y a qu'à retourner la caillou. Parce que yo estime, ça qu'a passé à Blaise, sous tant de témoignages, un personnage qui a parlé, li sa babe ki yo a fait, je dis, embarge moun ki di yo se l'état yo, li se a fait l'état. Si l'état a pas de vle, ça a pas de privé, Blaise Peterson. C'est l'état qui collecte ensemble pour faire ça qui a fait là. Mouvement politique débloqué Haïti. Signataire, accord ou bien protocole 17 octobre. Mande conseil présidentiel transition, KPTA, pour consulter tout groupe signataire, accord 3 avril yo, pour yo capable de constituer un nouveau cabinet ministériel, Nerys Nerius, coordonnateur national débloqué Haïti, insister dans l'importance mouvement citoyen capable de gagner, pour capable jouer une façon, pour capable résoudre le problème qui vient dans le pays. Et selon lui, c'est des citoyens qui honnêtes, qui ont renommé, qui capable aider le pays d'Haïti sortir dans ça qu'il trouvait là. Pendant que le pays lui-même, il n'est pas pratiquement, ouais, ça cap décrit là, les personnes. C'est des autres totales pour journée jeudi 14 octobre 2024 là, dans un nason, Crissois, Delma 30, et à cap progression que gang criminel vivent ensemble, à faire ensemble, espace à les personnes, ils ont pilonné, district Solino, ils ont marché sous Solino, parce que, en pile, ils ont cabré maqué. Pendant ce temps, porte-parole adjoint la police, continuez, entendre pour abbaye menti, continuez pour abjouer, sous compréhension avec vigilance population, je dis à ça que moi-même, en pile monde qui a dit que n'a fait incitation à la violence, si bon. Je dis à la police besoin, population bien arrangée pour yon vivre comme bataille là. Nous pas qu'à battre avec bandi yo, al goumé avec nek qui dans l'état yo, al goumé avec nek qui là pour bon sécurité, kap joué avec elle, al dans direction générale la police, al fout nek yo dehors, prend place dans direction générale là pour nous dormir, al mettre nek yo dehors dans la villa d'accueil, al mettre nek yo dehors dans résidence privée et premier ministre. Al met nèg yo dehors dans tout espace côté yo al nan ambassade yo al met yo dehors parce que c'est nèg yo planifié ça qu'a fait là je dis en Blaise Peterson je dis nèg yo dans villa d'accueil yo en pleine sécurité yo pas qu'il y a problème Denis Sankins avec toute équipe li qui dans ambassade américaine qui planifié qui a patéri avec plan ça yo à l'aise et puis mon a couru tout partout dans pays c'est pour population mettre grain dans mondal pour marcher à ce chez nèg ça pour dire que besoin petit classe la paix la caillou que qu'a fonctionner Blaise Peterson ça qu'a passé je dis dans pays li humiliant li indignant. Vous pouvez imaginer des gens qui construit la vie yo, dans goumen, dans bataille, dans faire toute qualité de vie job. Je dis pour vous tourner. Si moun kap dormi devant porte kay moun, ou bien kap dormi en bagalerie, kap dormi dans la rue. Parce que la police ignore les responsabilités qu'elle gagne. Comme si pour on être douce porte-parole la police, mais que c'est à vous commandement la police, c'est à vous faire ça pour venir bay moun. ou arrangez quand même qu'on vienne pour le venir. Pendant tout le monde avec Dieu, la situation, yo moun ap kouri qui te solino. Lionel là ça pas honte. Lui dit c'est moun yo qui veut courir quitter Solino. La police qui contrôle la situation, la police présente dans Solino. Pas il va faire moun mal comme ça. Ça veut dire coup de balle qui a tiré, quand moun yo qui pile. Est-ce que c'est la police qui a pile? Moi même veux clair. Soit Michel-Ange, Lugène, Lionel Naza, si a dit nous c'est la police qui a fait ça, qui a fait dans Solino, dans Crissois, dans Nazon, que au clair avec nous. Une police c'est la police. Désitez bien, on y prend ça au dit à clair. Lionel Lazare. Lionel Lazare. Mais son la Blaise, son la, pourquoi nous avons diffusé son nous, là? Nous pourrons jouer, nous pourrons jouer le désir, nous pourrons jouer. Mais, moi me dis nous, Lionel Lazare dit, et nous pourrons attendre, c'est Moun Solino qui décide de quitter Solino, mais la police présente dans Solino. Comment bien, mes amis? C'est Moun Solino qui décide de quitter Solino, la police présente. La police continue à mener l'opération Solino et c'est pas pour un ensemble de messages qu'il a recevoir qui fait moun yo quitter Solino. Mes amis,
Mes amis, je dis, hein, si la police présente dans Solino Joke, Lionel Lazadil, eh bien, moun yop kouri kite Solino, ça veut dire que la police pas représente rien. La police pas vaut rien dans Solino. Parce que c'est ça, monsieur, qui m'a essayé d'interpréter moi-même. Et quel que soit moun qui lui cite, à comprendre tout, oui. Parce que, bonjour. Si la police dans mission l'attribution li c'est protéger Jacques Servi et pas vrai désir protéger Jacques Servi si Lionel Lazard dit que la police présente dans Solino et pas je dis ah non les gars dit la police présente l'établi base li la police mène opération et je dis à moun yo décide alors c'est moun yo décide aller ça veut dire peuple là c'est un peuple qui fou. Vous comprenez? Yo fou, elle dit, yo, comme si, yo remis, yo t'a remis al cache al dormir dans la rue, yo t'a remis al humiliation devant porte Kaimoun. Alors que qui est ce monde, monsieur, qui t'a gagné la Kaili? Même les Kaila t'a coulé, mais qui t'a gagné un petit bébé dans mel pour la dormir avec elle dans la sirène? Qui est ce monde, je dis, hein, qui t'a décidé pour aller dormir dans la rue avec un monde qui n'est pas contre côté avec ce monde? Parce que c'est un monde qui est la Kaili. Eh bien, libéral domine dans la rue. Eh bien, la police qui est en bas. Eh bien, laissez-moi dire, Lionel Lazard. Est-ce que la police, eh bien, l'aile descend en bas, l'aile Solino, est-ce que c'est blague là-bas avec Bandio? Ou dis-moi, est-ce que monsieur, que nous avons, que nous avons, qu'il n'est pas capable? Mais l'éclair. Parce que si Lazard dit que la police en bas, eh bien, c'est nous décider de quitter Solino. Eh bien, ça passe. Soit la police fait un seul avec Bandio, ou dis-moi, est-ce que la police n'est pas capable? Et moun yo comme population civile, yo fait ça qui est bon pour yo, hein? Yo décide de quitter. Au lieu que yo mourir, parce que bon, imaginez-vous, bon, si pour police pas qu'à sécuriser tête li, Jeff Petit et Petit Dieu, Jeff Petit Dieu, ok? Policier soit, si moun Solino que lié, monsieur mouri dans l'opération 13 novembre, kouna, qui s'opral dit pour moun yo qui s'en défense yo même? Tenez bien, mes amis, Jeff Petit Dieu, oui. Agent soit Simon Solino. Monsieur mouri dans l'opération. Pendant que monsieur fait pied sol. Et ça, pire d'adhésir, papa Jeff mouri tout, oui. Après, pendant Jeff Rambal, t'es bien, Jeff Rambal est dans l'homoplate. Ça veut dire, quelle est son équipe Rambal dans le dos? Quelle est son dos, Jeff Rambal? Quelle est pendant papa Jeff a regardé Jeff qui est ensemble? Papa, quelle est la saisie, son émotion? Là, elle vole sous Jeff. Et puis, bon rafale bal qui parti, papa Jeff prend bal tout. Kounya, ou bel zim, Lazare, mon frère, jeune garçon koye. Mou comprenne, je dis, hein, ou a fait un job. Mais job a fait, ou a fait l'aide, mon frère. Ou a fait job la l'aide, Lazare. Ou a fait job la très l'aide, mon frère. Je dis, hein, vaut mieux que ou pas parler. Ou bien Michel-Ange lui jeune. Michel-Ange lui jeune, font j'en couler. Li couler. Parce que li va rester à l'bral zi là. Li pa wè sa l pral di et pa wè sa l kapab di tout nan moment. Vaut mieux que ou fait même bagarre là. Qu'est-ce que ça va pour di Lazare? Mon frère, jeune garçon koyé. Parce que ou pa ka di que la police présent nan Solino, c'est moun yo décidé quitter Solino. Que ba ça tellement dérange m. Bon, moun yo wè nous là comme policier, nous pa préclan essayer ou dis-moi que nous pa ka ba au sécurité. Bon, pas vrai, c'est pas vrai, sérieux. Moune, nous, là, comme policiers, nous pas capables de sécurité, et mais ça peut être quoi, oui. Bon, policiers, pas épargne, pas le bandit, pendant que nous dit nous là, pendant que nous disons une opération, mais moune, c'est quoi, mon cher? Eh bien, ou pas honte, ou vous nous dites ça dans la figue, moun? Ou vous dites ça dans la figue, moun, là, ça? Ah, mon cher, jeune garçon, quoi, mon cher? Vous me couper silence. Parce que ça, moune, pas capable de ça dans la main, nous. Moune, même de Lazare, est-ce que le pas, ouais? Jeudi, hein, dans la journée que c'est jeudi, hein, combien maman t'as couru avec Simon Soubrayo? Yon Soubrayo, yon nan men yon traîné. Est-ce que pas combien de femmes nourris 4-5 mois t'as couru avec Simon, si bébé tout blanche? Combien grand moun, combien handicapé t'as couru jeudi, hein? Hein? Nan men Lazare, mande, est-ce que. Nan men mande Lazare, est-ce que pas ça yo? Pendant cet désir, ou son Jeffrem? Que capitaine l'autre après vous qui connait il était dit que
Il a prévoqué qu'on est pour un poudre, il a installé Fizemé, mardi ou bien mercredi, il a installé le gouvernement. Je vais en dire. Eh bien, d'après ça, m'apprend, formation gouvernement, Altfin Fizemé, il est capable de prendre plus de ce qui est pensé. Parce que le conseiller président, il a dit qu'il a dans le temps pour qui est le monde qui va diriger tel ministère. Et qui est un groupe dans le KPT, conseiller, qui veut prendre plus fort ministère et prendre ministère clé. Pendant ce temps, il y a qui est opposé. Et même l'équipe Alix DJ Fizemé, lui-même, tout le monde prend parti pal. Et situation compliquée. Et si on n'est pas décidé, si on n'est pas dit, nous risquons d'aller prendre une transition. Et transition, ça cette fois-ci, vous pouvez aller dans la cour de cassation. Vous pouvez aller dans la cour de cassation. C'est pour me dire, non, bien je dis, papa ici, c'est logique coquin, logique mesdames qui a réglé là. Réduit qu'à péter avec toi, conseiller, il va régler en sérieux. Il va petit nous mettre. OK, parce que après que gouvernement mit en yo quitte là avec neuf conseils, c'est encore pire, le pire, c'est encore le pire qui donc je dis en désir peuple haïtien dit le bouquet peuple haïtien dit il y a bout il dit pas capable encore avec situation ça des Ivennes avec Kevin avec Lionel Lazare. La situation moi remarqué que l'état la police a la mission protéger accès vie quel gain des groupes monde qui privilégié parce que quelqu'un qui m'a ce m'a regardé là dans dispositif que la police gagne dans Vivi Michel m'a posé tête une question est-ce que la police a pas essayé d'autre garder un bloc aisé et un bloc comme cobaye si là qui dans Solino cap fait résistance depuis plusieurs mois cap goumé pour empêcher moi même plusieurs mois pendant puisque on comme n'a pas dans ami qui c'est Simon Solino désir monsieur dit 19 mois que Moun Solino fait résistance avec Bandi Belair, Bandi Badelma. 19 mois. Ça veut dire, pour un groupe citoyen qui a plus de capacité. Yeah, 19 mois. Mais pas pas capable. On avance. Des bras balancés, avec bouteille, avec wash que nous avons tiré, des bandits, qui avec mitraillette en main. Blaise, vaste complot ça, qui normalement dans le département, qui normalement dans le pays, qui normalement en Haïti, nous devons prendre responsabilité pour nous gommer contre lui. Si nous ne gommer contre lui, la finale avec nous, la situation. Désine a pris tout l'équipement de ZAM et cartouche munitions, me dit bien, que vous avez arrêté là, dans la zone frontière là, et cartouche ça, qui d'abord destiné pour aller jouer un bandit armé. Elle dit, bagaille là pour l'autre dimension. Mais ma petite haïtien, ça pour vous comprendre, je dis en désir, que c'est vous-même, j'aime toujours dire, moi avant, là, que vous prenez responsabilité en main. Qui prend destin en main. En nous venant avec Lionel Lazare, monsieur dit que la police présente dans Solino, mais c'est peuple qui décide lui-même pour le quitter Solino. En tout cas, peuple, entendez, peuple là. La police toujours présente dans Solino, sauf que Mounio, yo décide de quitter Solino. Nous connaissons que c'est une situation qui est extrêmement difficile. Vous dites Mounio décide de quitter? Oui, effectivement. Donc, ce n'est pas. La police qui n'est pas présente, Solino, qui cause que Mounio quitte Solino, surtout espace côté que la police a bataille pour empêcher que M. prend, ce n'est pas la police qui quitte Solino, c'est la population qui a même décidé de quitter Solino. Mais dans la minute que nous parlons ensemble avec vous, la police. Quand on a demandé Lazare, quand on a demandé M. Zari, pour qui ça Mounio quitte Solino? Pour qui ça? Parce que si la police présente, on a quitté. Pour qui ça a quitté? Toujours présent au niveau de Solino, population, par rapport avec ensemble de messages qui a besoin, ensemble d'informations que yo gagné, eh bien yo décidé yo même de propre gré yo quitter Solino. Porte-parole, Moun Solino reproche nous en pile. Habitants dans Solino Abdi Métropole, gagné effectivement chariot là, yo présent. Et des fois, yo kon di c'est pas seulement la police nationale qui l'a, gagné MAS Alim qui l'a tout. Mais cependant, yo pas jamais mettre pied à terre. Yo n'a pas que nous voulons moun yo connaît jounen jodi a là. Nous bien content que yo wè que monsieur policier yo wè chariot au niveau de Solino. Mais monsieur, utilisons ensemble de stratégies. Parce que
objectif monsieur yo c'est mettre une série de monde de non série de zones non c'est de caille que yo gagnent et puis tout yo prend contrôle caille ça yo yo prend contrôle caille yo yo fouiller trou dans caille ça yo le plus facile yo même pour yo wèw dans cas d'intervention que yo a fait au lieu que ou wè yo et donc immédiatement que yo fait ça je dis à la oui la police la présence c'est vrai mais bataille le travail qui doit être fait là, la police, nous pas dit la police pas qu'à mettre pied pied à terre, mais faut contrôler gens qui ont pral mettre pied à terre par rapport avec monsieur qui contrôle une série de cailles qui sont toutes nos cailles, qui fouille une série de trous, une série de cailles qui gain et en laisse sur pour attaquer et force de l'ordre pour attaquer. En 20 jours d'IA, et t'es gagné pas mal de monde, et surtout au niveau de Solino, qui t'a victime de balles et individus armés. Et maintenant, et gagné moun sa yo, j'ai dit à la que situation censée prend on l'autre ampleur, qui obligé courir sans que yo pas connaît et qui côté véritablement yo pral loger. Est-ce que non, situation pareille, en dépit de présence force l'ordre, et sous terrain pour contrecarrer individu armé yo mounio TK et Andy et rete et dans espace là entre-temps que force l'ordre yo même yo est rivé et combattre individu armé yo nous connaît que par rapport avec Perez qui la caï mounio yo capable décider quitter zone là parce que yo estimé que zone là li impraticable que yo pas ka continuer rete et la dernière encore dans zone ça mais il est clair que la police lui-même fait tout effort qui possible la police toujours présent malgré que bail difficile mais la police toujours présent dans une série de zones la police gomme en pile au niveau de Solino pour permettre que yo consolider et espace ça qui gain là mon yo décidé quitter parce que yo peur pour yo pas victime mais c'est pas la police c'est qui part donc la police présent, la police présent porte-parole, mais on garde porte-parole. C'est à qui pourcentage Jodia nous a dit espace Solinoa bandi occupé ou bien la police occupée. La qui police est pas victime. Bon, faut que moi-même pas un monde qui vraiment connaît Solino. OK. Parce que Solino c'est un gros morceau que c'est même gens où tu es capable dit bel air. Mm-hmm. Et ces mêmes gens ont été capables de citer soleil. Par exemple, on sait de gros quartiers. C'est pour un côté que moi connais. La difficile pour au moins nous te dire que maintenant qui espace, mais combien pour ça t'a jaillé. Mais sauf que nous connais que par rapport avec ça gain là, je vous dis à la, monsieur Axam, il y a des stratégies que vous utilisez. Ou capable de dire que hier, il y a un policier, c'est dans le cadre, qui donc ces petites zones dans les qui perdu la ville. Donc, c'est une situation qui est extrêmement difficile que nous vivons la journée. Je dis à la, qui m'a dit collaboration chaque grand monde, qui m'a dit collaboration chaque secteur en dedans, société. La police fait tout ça qui dépend de lui. La police est présente dans une série de zones. Donc, la police a continué présent. Et donc, je dis à la, ou capable de constater que la police et campé Goumen la police a fait face carré avec Nega Xam ça qui foncé qui pote bouer là sous Solino qui censé prendre contrôle Solino c'est pas même qualité bandit ça nous t'es senné pas gain longtemps de ça en bas dans Belen en bas d'Elma nous t'a pessé mettre mais sous c'est pas même qualité moun ça qui rive sous Solino alors écoute puis gars nous n'oublier que par rapport avec ça qui a passé là yo et monsieur yo regroupé yo à travers yon association que tout monde connaît non oui. Donc puisque yo regroupé yo ensemble et si n'a suivi pour ou après que l'a frappé yo frappe ensemble qui donc ça fait la police bon groupe a frappé dans quoi des bouquets dans tabac dans Vivi Michel dans bas de la ville et dans et Delma en bas on pas quelque côté qui donc yo frappe ensemble il vient mettre la police dans une situation faut qu'il réponde présent dans Vivi Michel faut qu'il réponde présent et bas la ville faut qu'il Delma et faut qu'il Solino qui donc c'est une situation des fois qui
ou arriver dans un moment qui est difficile pour vous parce que vous bataille sur plusieurs fronts, mais qui pas empêcher que la police lui-même malgré ça yo la dégager. Gagner plusieurs zones qui gagnent gros tiré et là-dedans yo, est-ce que dans zone ça yo, zone Crissoi ou aéroport par exemple, c'est toujours individu armé? Est-ce que c'est individu armé qui a simé la trouble dans zone ça? On soit bien nous capable dire ça tout digain pour avec des opérations que la police lui-même li a mené dans zone ça pour capable gain contrôle et territoire ça. Nous connaît que par rapport avec ça monsieur Agam a fait, il a essayé et rentrer dans ces deux zones, il a essayé et garder comment était capable de prendre contrôle en série de zones. L'improbable c'est dans le cas de champ de tir avec la police nationale d'Haïti qui souvent a repoussé monsieur Bandio pour pas atteindre Tifio qui compte des fois ou capable étendre gain tirer dans série des zones et parce que la police pas capable quitter monsieur yo prend zone ça, la police pas arrêter bois croisé pour voir que monsieur yo a rentré dans série des zones. Donc c'est juste pour nous dire que population hein, que la police avec ça que gagne la bataille sur plusieurs fronts, c'est son commandement qui motivé son commandement côté que policiers qui a bataillé yo motivé parce que faut que nous donc gagne des policiers qui gagne 8 jours gagne 10 jours à bataille qui pour que jamais rentrer la caillou qui pas même gagne temps pour yo baigner pour foncer de bagaille qui a camper goumen. Donc n'a dit mon yo que pour yo côté la police là après pour accompagner et la police nationale d'Haïti, journaliste pour yo accompagner la police nationale d'Haïti, nan encourager et policiers nous yo nan encourager et la police là parce que là malgré que bagaille difficile, c'est vrai, mais la police là li campé ferme. Porte-parole nous gagne bonne volonté capable dit pour nous aider la police là, d'ailleurs faut nous dire nous ouais la police là campé là gomen Jean dit là, mais il arrive à chaque fois nous constater ces populations finalement qui perdu la caille. Par exemple nous songe dans Carrefour Faye, toute zone ça net, toute zone Carrefour Faye là descend jusqu'en bas, nous constater population non seulement t'a gomen mais policier dans zone t'a gomen et tous les jours nous t'entend dire mandé renfort jusqu'à ce que toute zone ça tombe net. Et jodiant là nous bouquet tant de monde solino a fait même exercice là, dit ces petites solino cap goumen pour la police a venir renforcer ba écoute, mais je dis là solino information nous gagne censé tomber tout. Et dans minute côté n'a parlé là porte-parole c'est Crissoi cap courir, c'est Nazon cap courir, et c'est pas moi même capable prendre nous dit quand même qu'on est nous tandil, c'est qui assurance moun kounya nous capable dire qui pi préo moun Crissoi moun Nazon, comment yo capable dormir asoya qui espoir gagner, est-ce que la police a poté coller pour dire une fois Solino ça a tombé, mais la police pas quitté, il arrive sous Crissoi, arrive sous Nazon. Nous croyons que la police lui-même n'est pas suspendre bataille, la police n'est pas failli avec mission, puisque la police gagne une mission pali, et qui donc c'est garanti sécurité monde, c'est protéger bien monde. Donc n'a pas dit que la police a toujours présent, la police a toujours fait toute intervention que li doit faire pour garantir moun yo la paix, pour garantir sécurité moun yo, parce que la police a li gen mission li, la police a gen travail pal pour faire, la police a toujours répondre présent dans cadre travail pal la. Moi même m'am di m'a avec Lazare et c'est pas problème que nous gagnons avec la police d'ailleurs. Et la police, tant que nous connaissons comme force légale. Et je dis à l'armée qui a baissé garde, a baissé gourmet là pour nous. Ouais. C'est comme moment ici à l'armée, le monde dit que c'est propagande à faire pour la police. Yeah, mais je dis, hein, monsieur, fond d'accord que si est stratégie pas bon, faut changer. Si c'est plat pas bon, faut changer. D'accord que la police, elle est sous-équipée. D'accord que les problèmes effectifs, bandits, yo unis ensemble. Il a frappé sur plusieurs fronts en même temps. Ça a mis la police dans une situation difficile que tout d'abord.